Voilà. Gaspard Glanz, là, vous allez être jugé au mois d'octobre par rapport à ce qui s'est passé le week-end dernier. Simplement, l'annonce de ce jugement a été assortie d'une interdiction de paraître à Paris les samedis, ainsi que le 1er mai prochain. Est-ce que vous estimez que c'est une entrave à la liberté d'informer au travail des journalistes ? Absolument. Je vous repose la question. Vous pensez quoi ? Vous êtes journaliste ? Je n'ai pas à dire ce que je pense, mais il y a en tout cas beaucoup de... On se retrouve dans une situation... Attendez, on se retrouve dans une situation un peu particulière. Vous êtes journaliste. Je suis journaliste. Peut-être pas à vos yeux, mais c'est un autre débat. Mais non, je ne vais pas juger. Moi, je ne suis pas là pour juger. Je vous repose la question. En tant que journaliste, à cette table, vous en pensez quoi ? Je ne pense pas avoir à dire ce que je pense. C'est ce qui fait aussi une grande différence. Je suis journaliste, normalement, je ne dis jamais ce que je pense. C'est rare. J'accepte très rarement de faire des interviews et de venir dire ce que je pense. Est-ce que vous pensez, Gaspard Glanz, qu'au-delà de cette affaire qui est la vôtre, parce que vous couvrez beaucoup de terrains, on peut dire sociaux, de manifestations, de terrains de grogne sociale, parfois compliqués, est-ce que vous pensez qu'il y a une dégradation, au-delà des grands mots qui ont pu être prononcés, une dégradation dans la liberté qui est offerte aux journalistes d'exercer leur métier? Alors, je pense quand on voit... Au-delà de votre cas. Je crois que c'est David Dufresne, avec ses référencements sur Twitter des violences policières, qui a établi que le nombre de blessés... les journalistes représentent 10% du nombre de blessés total des manifestants. Il n'y a pas 10% de journalistes dans les manifs. Donc ça veut dire que les journalistes sont surreprésentés dans le nombre de blessés total des manifestations. C'est bizarre, non? Vous allez braver cette interdiction de paraître, interdiction à paraître, je reprends l'intitulé, à Paris. Vous habitez à Paris ? Alors, je n'habite pas à Paris, j'habite à Strasbourg, mais ma concubine est à Paris, donc je passe une partie de mon temps à Paris, et puis une grande partie des médias sont à Paris, donc mon activité est en Paris. Je dois être là assez souvent, quoi. Interdiction de paraître à Paris les samedis ainsi que le 1er mai, est-ce que vous allez respecter cette interdiction ? Alors, j'avais l'intention de ne pas la respecter. Mais j'ai décidé de, avec l'avis de mes avocats, Raphaël Kem, Fainoa Pasquale, Boris Rosenthal et Vincent Filola, qui sont absolument formidables, et je tiens à les remercier parce que c'est pas la première fois où ils réussissent à me sortir de cette merde. Et je pense qu'ils ont besoin, là, de toutes les armes possibles pour combattre ce qui arrive, c'est-à-dire faire tomber cette interdiction, etc. Si je brave cette interdiction, et c'est exactement ce qu'ils attendent, Laurent Nunez l'a dit ce matin sur une chaîne de télé, si je me pointe à la manifestation, ils me mettent en prison, quoi. Ils me mettent en prison, c'est détention provisoire, quoi. Voilà. J'ai eu envie, moi, personnellement, d'y aller pour prouver que, pour voir s'ils étaient capables de le faire, s'ils avaient vraiment le courage de mettre un journaliste en prison pour un toit d'honneur, quoi. Mais en fait, je préfère respecter mon contrôle judiciaire et afin que mes avocats aient toutes les armes en leurs mains pour combattre ce qui arrive et pouvoir à un moment régler ce problème définitivement, et que pour tous les autres journalistes qui sont dans la même situation que moi, on règle ce problème de carte de presse, on règle ce problème à un moment d'être ciblé par la police, et qu'à un moment il y a un ministre censé dans ce pays de l'intérieur qui fait un vrai rappel aux forces de l'ordre en disant qu'on est hors jeu, quoi, on est hors zone, quoi, faut arrêter de nous tirer dessus, quoi.